qui est pas oui, ouverture de la truite, ben voilà, ça commence. On n'a pas de tête. Hein. On se déshabille. Et là, j'ai pas la clé. Là j'ai pas la clé. Retrouvé. Voilà, ça va être la fin de la vidéo. Je voulais revenir un peu sur l'ouverture truite parce que bon, le petit débrief entre guillemets, bah, chez nous ça a été très compliqué. Les eaux sont vachement basses au niveau, bah, quasiment au niveau de l'été. Il n'a pas plu énormément. La fonte des neiges est toujours pas d'actualité parce que bon, il fait encore froid et il n'y a pas eu énormément de neige. Du coup, tout ce qui est la sioule, la dore, ça a un niveau très bas. Et c'est vraiment très compliqué pour l'ouverture truite. Moi bon, j'ai pu discuter avec quelques pêcheurs dans toute la France quasiment et on a eu le même constat que ça a été très compliqué pour l'ouverture. Bon, il y a eu des poissons de fée, des petits fiches ou d'autres fiches, mais très compliqué. À part des techniques du toc et de la mouche. A fonctionné à certains endroits vers chez nous, plus le verre et plus la taille un petit peu, mais bon, c'est des techniques de pêche que je ne fais pas, donc ben
Malheureusement, j'ai pas fait beaucoup de fiches. J'ai fait une truitelle avec mon ami Eric de la team. D'ailleurs, un petit coup pour lui. Ou sinon, je suis retourné hier. Bah, hier, c'est pareil, les conditions n'ont pas changé depuis la semaine dernière. Ça a été très très compliqué aussi. On a fait une après-midi complète avec ma femme. Bon, celle qui a fait une petite truitelle, mais moi j'ai pas fait de table, j'ai rien fait, pourtant j'ai tout essayé, le spinner, micro-spinner, la cuillère, les leurres, dur, souple, et j'ai tout essayé, mais ça n'a pas fonctionné, donc c'est comme ça. Mettez-moi en commentaire, les amis, si vous, de votre côté, ça a été compliqué, si les eaux sont hautes, basses, si vous avez touché de la truite. Avec quelle technique vous avez pu pêcher la truite? Parce que moi, ça m'intrigue aussi de mon côté, parce que bon, à savoir si c'est compliqué ou pas. Sur ce, voilà, je tenais à vous dire un petit débrief. Et aussi, le lancement du concours de string fishing pour l'ouverture truite. Alors voilà, ça y est, les concours sont de nouveau en route. Comme c'est l'ouverture truite, il n'y aura pas une catégorie carnassier, une catégorie truite, ça sera simplement une catégorie truite. Alors, je vais réexpliquer, parce qu'il y aura certainement des nouveaux abonnés. Alors, comment faire pour participer au concours? Bah, déjà d'une, être abonné, liker et partager la vidéo. Ensuite, en commentaire, vous marquez « Je participe ». Et la deuxième partie, c'est très simple. Quand vous allez à la pêche, quand vous voulez faire une session pêche et que vous voulez mettre votre poisson au concours, c'est très simple. Il me faut l'attaque, du moins le combat. Ensuite, quand vous montrez votre poisson à votre caméra, vous marquez concours string fishing et la mesure. Comme ça, moi, de mon côté, je peux l'enregistrer. Et à la fin du mois, je regarderai qui c'est qui a la plus belle truite. Et comme ça, je récompenserai la plus belle truite de ce mois-ci pour l'ouverture. Voilà les amis, la vidéo s'achève. Sur ce, je tenais aussi à vous dire que le week-end prochain, je ferai une autre vidéo sur les objectifs de la chaîne. Les trucs qui vont se passer, je ne vais pas vous en dire plus. Je vous dis à bientôt et bonne pêche à tous. Pour ceux-là qui ont plus de chance que moi, malheureusement, mais bon, je ne perds pas espoir, c'est que le début de saison. On sait tous que tous les débuts de saison, c'est très compliqué, mais bon, je garde espoir. Allez, ciao les amis, à bientôt!